La politique, et c'est aujourd'hui le dernier jour de campagne en vue du premier tour des élections départementales et régionales dimanche. Le Rassemblement national parviendra-t-il à s'imposer dans une région? Ce sera l'un des enjeux de ce scrutin. Dans le viseur, notamment la région PACA, où Thierry Mariani a été donné gagnant par plusieurs sondages. Hier, le candidat du RN a reçu le soutien de la patronne du parti, Marine Le Pen. Frédéric Michel les a suivis pour Europe 1. Sur le marché de Sifour-les-Plages, tract à la main, Marine Le Pen et Thierry Mariani déambulent au milieu des étals. Il faut absolument que tout le monde se mobilise. En terrain conquis. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Ici comme ailleurs. Et à dimanche? Les gens sont prêts, j'espère. Et de toute façon, on a tout essayé. À Béziers, ça va très bien. À Fréjus, ça se passe très bien. Pourquoi ça ne se passerait pas ici? Tous les sondages et enquêtes d'opinion sont favorables aux candidats de la droite populaire et du RN. L'heure est donc à la mobilisation. Thierry Mariani. Notre message aux électeurs de cette région, il est simple. Il est de dire que cette fois, votre vote peut tout changer. Aux dernières élections régionales, Marion Maréchal Le Pen, alors candidate, était arrivée en seconde position. Aujourd'hui, les sympathisants RN croient l'alternance possible. Marion avait attaqué, là il faut finaliser. Monsieur Mariani est tout à fait au fait de tout ce qu'il nous faut, donc on l'attend, on les attend. Et puis, dans moins d'un an, ce sera mieux encore. En ligne de mire, évidemment, la présidentielle. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1. Et on va continuer de parler de cette région provençale Côte d'Azur juste après le journal, donc avec le candidat de la gauche et des écologistes Jean-Laurent Felidia. Élection aussi aujourd'hui en Iran. Les bureaux de vote pour la présidentielle ont déjà ouvert un scrutin qui devrait consacrer l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. 5h35.